Salut à tous, c'est Alex le serveur et l'on se retrouve pour un nouveau Let's Play! Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est la princesse Peach! Bowser! Et bim, vous l'avez peut-être reconnu, c'est Super Mario RPG Legend of Seven Stars. Hop là! Sorti sur Super Nintendo, malheureusement, jamais chez nous, jamais en Europe. Donc c'est très triste. Hop là! Super Mario. Je vous laisse la petite intro parce que je la trouve très très sympa. Et ça permet de voir un petit peu le style. Donc comme vous le voyez, c'est un RPG qui se joue au tour par tour. C'est donc le premier RPG dans la famille de Mario, et à l'époque, quand ils en parlaient dans les magazines de jeux vidéo, je le voulais vraiment, vraiment, vraiment. Et donc j'étais bien déçu quand j'ai vu qu'il n'allait jamais sortir, puisque la Nintendo 64 n'a pas tardé en fait, ensuite. Enfin, n'a pas tardé. Façon de parler. Elle s'est quand même fait pas mal attendre. Très bien. Super Mario RPG Legend of Seven Stars, qui a donc été choisi par les lecteurs de Frandroid pour être le prochain Let's Play. Des jeux Super NES. Alors, le jeu sera en anglais, donc je vais tâcher de vous traduire prestement et lestement ce qui sera dit. Bon, on va appeler Mario Mario quand même. Hein. Tradition de RPG. On nomme le héros. Mario, c'est Mario. Point. On se retape l'intro. Donc Peach était tranquillement installée dans son petit jardin, voilà, jouait avec des fleurs et des papillons. Koopa dans sa Koopa Car qui arrive, sa Koopa Clown Mobile. Qui était apparue dans Super Mario World que j'ai terminé en Let's Play. Super NES, vous cliquez sur la description de la vidéo, vous avez une sélection de Let's Play qui devrait vous plaire. Plein de jeux Nintendo d'ailleurs. Le château de Bowser. Alors, je ne l'ai jamais fini, Super Mario RPG. Jusque, voilà. Je me souviens à peu près les boutons. Une petite vue isométrique. Hop. On engage le combat. Donc, vous voyez, un bouton, une action. X, les objets. Y, les attaques spéciales. B, défense et la fuite. Et A, les attaques classiques. Bon, évidemment, les premiers ennemis, c'est plutôt fastoche. On va se les faire quand même, je pense que ça nous rapporte un petit peu d'expérience. C'est toujours bon à prendre. Je sais pas si on a déjà de l'expérience, on verra. J'arrive pas à lancer de menu pour l'instant. Donc, je l'avais fait quelques temps après sa sortie, donc beaucoup de temps en fait après sa sortie en émulation. Dans une version anglaise qui partait en live au bout d'un moment, ça... Dans une version française qui partait en live, ça parlait en français, puis au bout d'un moment, on abandonne, on met des symboles à la place. Donc j'étais un petit peu deg, mais c'est pas pour ça que j'ai arrêté de jouer, parce que j'avais... Je mettais d'une soluce du coup à la place des paroles des jeux. C'est juste que je sais pas, vers la fin, ça m'a moins passionné. Mais là, ce sera l'occasion de le finir avec vous. Et bah dis donc. Bon, ils sont pas très puissants là, les Koopa. Donc on présente souvent fils spirituel de ce Super Mario RPG, bien évidemment, Paper Mario, qui est magistral. Sorti sur Nintendo 64 et bien sûr, je le ferai. Je le ferai en let's play, alors pas tout de suite. Mais les premiers let's play à Nintendo 64 devraient pas tarder sur ma chaîne. J'ai pris un peu de retard parce que comme vous le savez peut-être, j'ai eu des soucis avec mon ordinateur. Là, j'ai réussi à le récupérer au bout d'une semaine. J'avais cru que j'avais perdu toutes mes données, mais c'est bon, miracle. Oh, il y a des petits pieds en haut là. Ouh. Remarquez les chomps là qui gardent
le lustre. Toadstool. Donc oui, donc Peach ne s'appelait pas encore Peach avant Yoshi's Safari, sorti sur Super Nintendo. Et c'est surtout dans Mario 64 qu'on a su que son prénom était Peach. Peach, elle s'est toujours appelée Peach au Japon, mais par contre, en Occident, on l'a connue d'abord sous le nom de Toadstool, qui était la traduction, donc Princesse Toadstool, traduction américaine, qui avait choisi ce nom. Pareil pour Bowser, qui au Japon s'appelle Koopa. Bowser, c'est le nom occidental. Maintenant, il porte ce nom aussi au Japon. C'est Bowser Koopa et Peach Toadstool, en fait, en gros. Ne laisse pas Bowser t'écraser, Mario. Mario, prépare-toi pour le grand saut. Alors, vous voyez, on peut attaquer Bowser, ou on peut attaquer King Klink, donc l'espèce de chomp là. Et dans mes souvenirs, je crois qu'il faut affaiblir. Oula. On va faire un petit saut spécial sur King Klink. Un petit 43. Oula. Un petit pic-pic. Mario, la chaîne! Bon, si jamais j'en étais pas rendu compte, Peach est là pour m'aider. Vise la chaîne! Mince. Je suis allé trop vite. Vous voyez, c'est le petit bruit quand on gagne une vie, quand on saute, ça... ce qui est pas classique. Alors, il faut savoir que c'est pas uniquement Nintendo qui a développé ce jeu. C'était quoi ce bruit? Non! C'est une réaction en chaîne! Jeu de mots. Tiens bon, King Klink. Oh! Donc il y a aussi Squaresoft qui a développé ce jeu. Donc Squaresoft, vous le savez, c'est aussi le développeur de Final Fantasy, mais aussi de Secret of Mana, dont j'ai commencé le let's play justement sur Super NES. Il y a déjà 4 épisodes, donc n'hésitez pas à aller voir ce let's play en cliquant soit sur la home, bouton en bas à droite. Tu viens, Mario? Combat, Mario! Combat! Bats-toi! Oh, ça devrait te finir! Bim! Oh oh! Oh, regarde le regard de Bowser. Tu pensais vraiment que j'allais juste te la rendre, ta princesse? Tu es toujours sur mon chemin. C'est ça. Je vais t'éliminer pour de bon, Mario. Ouh, encore raté. Voilà, évidemment, RPG, il faut que Squaresoft soit de la partie. Oh, regardez ce sourire de Peach. Oh, Mario. Oh, j'étais tellement inquiète. Sortons d'ici. Oups, Mario? Je vais tomber. Qu'est-ce donc? Une étoile. Oula! Une épée géante et plein d'étoiles. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc une épée géante se plante dans le château de Bowser. Et là, vous voyez, il y a 7 morceaux d'étoiles qui tombent du ciel. Le royaume champignon. Alors, dans une version très insulaire, hein, là, c'est l'île champignon, on peut dire. Ah bah. Tombe à pic. Hey Mario! Il y a plein de gens qui utilisent ce qu'on appelle une porte, tu sais, pour rentrer dans la maison. Enfin, qu'importe. Je suis venu pour chercher la princesse Toadstool. Elle est un peu en retard. Alors, la petite maison de Mario, donc avec le champignon, bien évidemment. Ah, mais c'est une champi... lampe. Ah, mais c'est pour dormir. Ok. Récupérer les PV, bien évidemment. Rien ne vaut une bonne sieste après un kidnapping et la disparition de la princesse. Vous reconnaissez la musique... classique du jeu. Tout, tout... La maison de Mario avec un tuyau. Hey, je pensais que la princesse était avec toi, Mario. Où est-ce qu'elle est?
Mario, quelle est cette réponse silencieuse? Tu n'es pas en train de me dire quelque chose? C'est Bowser encore, c'est ça? Oh non, c'est reparti pour un tour. Mario, tu veux bien la ramener, s'il te plaît, comme tu fais toujours? Ben tiens. La sauvegarde. La sauvegarde. Donc voilà, il y a ces petits blocs de sauvegarde un peu partout dans le monde. C'est là où on peut sauvegarder. Et bon, on va ramener la princesse. Même si cette fois-ci, je pense pas que ce soit Bowser. Donc Mario's Pad. Donc là, c'est vers chez Bowser. Et bah, allons vers chez Bowser. Après tout, c'était là où on l'avait vu la dernière fois, la princesse. Oh oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Halte! Qui va là? Un resquilleur! Ce château nous appartient désormais, le Gang Smithy. C'est notre premier pas vers la conquête de ce monde. Et si ce n'était pas pour des personnages avec un gros nez comme toi... s'il n'y avait pas des personnages avec un gros nez comme toi, on posséderait déjà ce pays. Donc voyons voir comment tu te débrouilles avec ça. Qu'est-ce qu'il me fait là? Oh là là! Oups. Ok, il n'y a plus de pont vers le château de Bowser. Donc vous avez vu, le château de Bowser est vraiment juste à côté de la maison de Mario. Bon. Il est où ce Toad? Oh, t'es déjà de retour? T'as oublié quelque chose? Non! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Quoi? Le pont vers le château de Bowser est cassé? Oh, c'est merveilleux. On doit informer tout de suite le chancelier du royaume champignon. Allons-y, Mario. Alors, le chancelier qui n'était pas encore Papy Champi, comme il apparut dans Mario... Super Mario Sunshine, que j'adore aussi. Et qu'il faut que je fasse aussi, tellement de jeux à faire en let's play. Oups, excuse-moi. Oh. Cette bosse sur la tête a réduit ton niveau de points de vie. Alors, l'un des objets les plus célèbres du royaume champignon va te permettre de te remettre d'aplomb. Hop, un champignon, évidemment. Le champignon, ici, redonne de la vie. Est-ce que tu sais comment utiliser les objets? Je pense que je sais. Oh, je vois. Oh, tu es tellement expert en voyage et expérimenté, mon cher Mario. Pourquoi je me suis dépêché comme ça? Ah oui, j'avais quelque chose à te dire. Un Goomba? Ah, je me souviens. Je suis venu te prévenir que le royaume champignon est rempli de monstres. Ah, j'ai eu du mal à revenir en un seul morceau. Mario, fais quelque chose, je t'en prie. Peut-être que je peux aider. Est-ce que tu connais quelque chose à propos des... comment on pourrait traduire ça? Timed hits, donc c'est touché en bon moment en fait. Le bon timing. Oui. Hey, fais attention toi. Il connaît le bon timing. Il va te fracasser. Ah. Ouais, c'est plus, il aboie plus qu'il ne mord, hein, n'est-ce pas? Bon, pourquoi je me suis dépêché déjà? J'avais quelque chose à te dire. Ah oui, c'est vrai. On doit le dire au chancelier à propos de la princesse. Je te vois au royaume champignon. Juste au cas où, prends ça avec toi. On a reçu 3 champignons. Pour se soigner, c'est très bien. Enfin, une petite sauvegarde parce que j'ai pas envie de me... Bon, en même temps, je vais pas mourir déjà. Voilà. Ouais, j'ai même pas sauvegardé la première fois, d'ailleurs. Les objets. Voilà, le menu. Les objets. Parfait. Statut. Effectivement, j'ai bien... un point de vie en moi à cause de la petite bosse. Donc on voit les statistiques. Donc j'ai pas gagné d'expérience en fait au premier truc, hein, mais c'est pas grave. Spécial. Oh, bourré de boutons. Spécial. Donc, mon spécial, le saut. Il faut que j'appuie Y juste avant de toucher. Ok. Donc tu as le bouton de spécial en fait. Alors, le passage champignon, allons-y. Alors, on va tester le bon timing.
Ah, cette musique. Alors, Goomba. Ah, ça m'a rendu des points de vie. Ah, j'étais pas au bon timing là. Il faut frapper au bon moment en fait, normalement. Et ça double les dégâts infligés. Voilà. Voilà, et là je me suis défendu, ça diminue les dégâts qu'on reçoit. Un peu trop tard, je pense. Mais c'est pas grave. Il faut que je m'entraîne quand même, c'est important. Il faut vraiment maîtriser ça, notamment pour les boss. Et c'est également important dans la suite, dans Paper Mario, tout ça. Voilà. Et là, je me défends bien. Impeccable. Donc c'est vraiment au moment où il y a contact, en fait. Alors, un coup pas volant. Ah! Il se défend bien. Vous voyez, les points de vie ils diminuent quand même rapidement. Hein. Ah! Bah, heureusement. On peut les récupérer comme ça quand certains ennemis libèrent des espèces de petites fleurs, des plantes. Ah, ça me fait vraiment plaisir de rejouer à ce jeu. Donc on retrouve même les, vous voyez, des cases à exploser qui prennent la forme de coffre, hein, du coup, RPG oblige. Oh, ils sont deux. Et c'est beaucoup plus efficace, hein. Voilà. Et on a gagné un champignon. Oh bah y'a un Toad qui a graissé là. Continuons. Non, je rigole. Bien évidemment qu'on va le sauver. Hop là. Tchou! Ma vie était en train de défiler devant mes yeux pendant une seconde. Voici un petit cadeau en retour. Ah, un sirop de miel. Voyons voir. Découvrons ce que c'est. Alors, ça rend 10 points fleurs. Alors, les points fleurs, c'est ce avec quoi on peut utiliser les attaques spéciales. Ça restera dans Paper Mario. J'ai tellement envie de vous faire Paper Mario aussi. Il faudrait que j'aille dans l'ordre et que je finisse d'abord Super Mario RPG avant de lancer Paper Mario en fait. Mais j'ai tellement envie de faire Paper Mario. Alors c'est important de faire du leveling, donc c'est important de battre un maximum d'ennemis. Hein. RPG oblige, comme dans Secret of Mana, vous le savez, à un moment j'ai dû faire du leveling pour battre le fameux troisième boss. Alors, il me reste que... Ah, ça consomme quand même 3 points fleurs, hein, cette attaque-là. Là, il est tout seul, donc... Je vais privilégier l'attaque. Voilà. J'ai réussi à me défendre. En 2 tours, c'est suffisant, ça va. Oh, level up! J'ai atteint le niveau 2. Alors, mes points de vie max passent à 25, l'attaque passe à 23, la défense augmente, tant mieux, parce que j'avais 0 en défense. Hein. Attaque magique de 10 à 12 et défense magique de 2 à 4. Alors, est-ce que je choisis d'augmenter mes points de vie, ma magie ou mon attaque? J'aurais mieux fait de retenir mes statistiques. Je vais augmenter l'attaque. Annuler, on peut voir. Donc le spécial, pas tant intéressant. Il faut vraiment se concentrer sur les stats qui sont déjà bonnes et c'est l'attaque vraiment là où je me
Je me distingue, voilà, je cherchais le mot. Ah, tu viens toi? Oula, 3. Donc, vous voyez, j'ai réussi à avoir 0 dégâts. C'est quoi cette attaque de Goomba? Depuis quand ils ont des petits... Depuis quand ils lancent des picots les Goomba? Non mais dites donc. C'est fou ça. Bon, lui s'amuse bien. On va le déloger de sa fleur. Voilà. Poum 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 poum. Hop là, pas bon bouton. Là, voilà. Là on choisit en fait où on saute. Une fleur, très bien. Donc les fleurs ici, c'est pas des fleurs de feu, c'est des fleurs pour les points de magie. Oula. Ennemi caché, alors il y a des blocs cachés aussi. Donc parfois ça vaut le coup d'explorer un petit peu au cas où. Poum 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 poum. Poum. Donc oui, dans les RPG en général, mieux vaut renforcer le caractère puissant d'un personnage plutôt que d'essayer de faire un personnage équilibré. Bah dis donc, rends ce Toad. Que les personnages sont spécialisés, c'est pas pour rien. Bah regardez, du coup je tue le Koopa en une fois maintenant. On a sauvé un autre Toad. Fouh, eh ben dis donc mec, c'était chaud hein. Tiens, voici un gage de mon remerciement. Flower Tab. Qu'est-ce que Flower Tab? Flower Tab. Oh, ça augmente les points fleurs de 1. Allez, je l'utilise, voilà. Alors, je réfléchissais si je le gardais pour plus tard, pour d'autres personnages, parce que oui, je vous spoil un petit peu, mais Mario ne sera pas seul. C'est un vrai RPG, il y aura plein de personnages après, mais on commence l'aventure évidemment. Tant que Mario. J'aimerais tellement qu'ils en fassent un remake ou vraiment un autre jeu du genre. Ou une suite de Paper Mario, ce serait bien, mais classique. Hein, parce que les derniers Paper Mario, j'ai pas aimé. J'ai pas vu ce que c'était comme objet. Alors, vous voyez, on peut même équiper Mario, mais là, j'ai rien encore. Items spéciaux, rien du tout non plus. J'ai pas vu ce que c'était. Bon, c'est pas grave. Ah, là qui tue. C'est lui qu'il faut. Lui, on peut pas l'avoir. Alors, le problème, c'est qu'à mon avis, je peux pas leur sauter dessus à ces ennemis-là. Je vais tester. Ah mais oui, je leur saute pas dessus de façon aux ennemis là. Je suis bête, je peux leur sauter dessus mais mon attaque c'est pas un saut. Yes. Tellement habitué à ce que l'attaque principale de Mario soit le saut. Alors, y'a rien d'autre ici? Y'a un mec fou. Ah.
Voilà. Paf. Oh, mais c'est pas vrai. Voilà. Boum. Bon, bah c'est bon, hein, y a pas de... On peut pas attaquer le lac qui tue apparemment, donc on va continuer. Oula. Un frère marteau. Hé, pourquoi tu me regardes? Mon marteau et moi, on t'aime pas. Mario, tu devrais faire attention. Il a pas l'air sympa. Ce serait pas gâcher un champignon que de... J'ai à 15 points de vie. À combien je monte de niveau? 13, ouais, ça va prendre un peu de temps. Hé, maintenant t'as énervé mon marteau. T'aurais pas dû faire ça. Ah, ils sont deux en plus. On prend les gros moyens. Hammer time. 6. Ouh là là, ouais, alors. On va faire gaffe parce que s'il me faisait la même attaque plus soit de défense, ça me tuait. Ok. Moins 1. Plein de pièces. Oula, il augmente ses stats. Il m'a spill 3 points, tant mieux. Zut. Hammer time. 11 points. Allez. Oh, bonus. Et voilà, plus de frère marteau. Yay. 6 points d'expérience, 20 pièces et Flower Jar. Hey, merci Mario. Oh, je courais si vite que j'ai même pas vu ce que je faisais. Le royaume champignon est juste devant. On y est presque, Mario. Hey, d'où vient ce marteau? Bah, ton avis. Hey, tu sais ce que c'est? C'est le marteau du frère marteau. Il y a son insigne dessus. Personne ne peut résister contre cette attaque-là quand tu les frappes avec... Tadam! On ne sait jamais, ça pourrait devenir utile. Récupérer un marteau. Allez, on avance. Je te vois, royaume champignon. Alors, du coup, équipement. Voilà. Armor, y'a rien. Hein. Accessories, y'a rien. Et donc maintenant, j'ai un marteau, donc qui augmente mon attaque. Voici. Au royaume champignon. Alors voyez ce côté médiéval, donc très différent des royaumes champignons qu'on a connus ensuite. Mais là c'était vraiment le côté très Squaresoft du coup. Mario. Et si on jouait je sais pas quoi. Voilà. Ah non, il veut se marier apparemment. Ok. Ah, oh, j'espère que mon petit-fils enfin que ma petite-fille plutôt sera comme la princesse plus tard. Ok, c'est pour ça que sa petite veut m'épouser. Oh, c'est tellement sympa de voir les jeunes prendre du bon temps. Je sais pas ce que t'entends par là, papy, mais c'est un peu... c'est un peu bizarre. J'espère que tu ne vas pas sur des sites peu recommandables, pépé. Donc, une Toadette. Une Toad avec des couettes. Le personnage de Toadette tel quel est apparu dans Mario Kart Double Dash, dont il y a également le let's play sur ma chaîne. Donc, il s'appelle Rainy, d'ailleurs.
Est-ce que tu connais une bonne chapelle pour se marier? Raz, du coup, le mari, j'imagine. Hey Mario! Devine quoi? Reni n'est pas juste une amie, on va se marier. Félicitations, l'ami. Hey, est-ce que t'as vu un crocodile dans le coin? Il parle là comme un mobster. Je suis sûr que c'est pas super. Hey! Attends! Mon attaché case a disparu. Hé hey Mario, regarde où tu marches. Attends. Hé, hey, je t'ai eu. Je suis pas sûr que c'était ça qu'elle disait, mais c'est pas grave. Attends. Ouais, l'entrée était là-haut. On n'a pas fait ce bâtiment encore. Je n'ai pas vu la princesse Toadstool depuis un moment. Quoi? Bowser l'a encore kidnappée? Mais elle aime bien se faire kidnapper apparemment. On a une mâche. Hey Mario, mon frère t'attend en haut. Ok, on va le voir. Tout ce que je fais, c'est nettoyer et cuisiner. Super, bravo. Ouais. Tu te calmes, mon petit. Qu'est-ce que... 1, 2, 3. Tu crois que si je m'entraîne suffisamment, je pourrais sauter aussi haut que toi, Mario? Eh non, c'est moi qui saute le plus haut. Bien sûr. Ouais. Vas-y, continue. Et Mario saute et Sonic court. Même si du coup, sur smartphone, c'est Mario Run et Sonic Jump, mais bon. Les temps changent, vous savez. Alors... Un petit Toad. Pas mal de bandits qui ont l'air bizarres sont en train de rôder dans la ville. Et pas sous ma surveillance. Donc là, avec le petit champignon qui tourne, ça va être une boutique, je pense. Voilà. Oh, je t'ordonne de rester derrière moi. Maintenant, je t'ordonne de sauter. Oh! Alors, dans ce monde, il y a des choses qu'on appelle des trésors cachés. Utilise ta superbe capacité de saut pour les retrouver. Ah oui, je me nourris de boutons, c'est pour ça que j'avais un peu de galère et que je fais répéter 36 fois sauter. Qu'est-ce qu'on peut acheter ici? Mario, quelle surprise agréable. Alors, l'un des petits fils de Frogfusius, donc Confucius, et Frog Grenouille, donc Grenoufusius, erre en ville en ce moment, aujourd'hui. Je ne l'ai pas vu, en revanche. Oh, qu'est-ce que tu veux acheter? Bah tiens, j'ai plein de sous. Alors, qu'est-ce que tu me proposes? Un t-shirt, c'est pas mal. On va prendre une chemise. Du coup, on va acheter des pantalons, mais voyez, Mario peut pas les porter. Porte pas de pantalon, Mario. Alors, et donc là, des accessoires qui... on peut sauter sur n'importe quel ennemi grâce à ses chaussures de saut. Donc, y compris ceux qui... Comment dire ceux qui ont des pics, par exemple. Ou on a... l'antidote qui permet d'empêcher d'être empoisonné. On va peut-être partir sur l'antidote. Allez. On va s'équiper tout de suite. Voilà. Voilà. Et donc là, j'ai beaucoup plus de défense. Vous voyez, ma défense est à 11 désormais grâce à ma chemise. Enfin, mon maillot plutôt. Ça va être l'auberge. Voilà, l'auberge ici. Bonjour. Pourquoi tu ne te reposes pas un petit moment? Seulement 3 pièces. Non, merci. Bonne chance, Mario. Je crois que je suis... Oui, voilà. Pas besoin de se soigner. Tiens. Tais-toi. Il est bizarre, ce... Ce petit Toad. Quelqu'un dort. Pas comme si j'étais toujours en train de dormir. Voilà. Pas se tromper de bouton pour la sauvegarde. Ok, il nous reste 30 minutes, un peu moins de 30 minutes. On va pouvoir avancer un petit peu encore. Là, on est rentré. Et bah voilà le château.
Mario, dépêche-toi, le chancelier attend. Mario, dépêche-toi, le chancelier attend. Mario, enfin t'es là. J'ai dit au chancelier que tu arrivais. Il t'attend en bas du hall. Enfin, en haut du hall plutôt. Alors, on va explorer un petit peu avant. La tour. Ah, la chambre de Toadstool. La princesse n'est pas revenue. Est-ce que tu imagines comment le chancelier doit se sentir? Voici la chambre de la princesse, donc très très différente des chambres qu'on lui a connues après, avec beaucoup plus de roses, un boudoir, des trucs du genre et tout. Là, on est vraiment... Tiens. Hey, qu'est-ce que tu es en train de faire? J'ai trouvé un truc de Toadstool, point d'interrogation, point d'interrogation. Je donne ça en échange, mais laisse ce que tu as récupéré là, hein. J'ai récupéré un champignon, ok. Bon, je sais pas ce que c'était. Sûrement une chose coquine. Donc voilà, c'est vraiment très différent de ce qu'on connaissait de la princesse ensuite. De ce qu'on connaît de la princesse ensuite, plutôt. Ah, je garde la salle du trésor. Désolé, mais tu dois avoir la permission du chancelier pour passer. Une autre chambre. Le gardien du trésor ne doit pas être... attends, le gardien de l'abri... n'a pas intérêt à faire le débile pendant que je suis en train de nettoyer la chambre des invités. Hein. Goofing, ouais, enfin faire le débile, faire le foufou, quoi. Tu peux être en train de lézarder pendant que lui il bosse, quoi. Oh là là. Votre Altesse, non. Comment traduire? Monsieur, Mario est arrivé. Le chancelier qui est plus jeune hein, que Papier Champi. Mario, Dieu merci, tu es là. Nous avons entendu une explosion ou quelque chose du genre au château de Bowser. Oh, c'était si fort que j'ai failli en lâcher mes sports. Pardon? Où est la princesse? Elle est partie pour ta maison il y a des heures. Hein? Oh mon Dieu, je crains le pire. Est-ce que Bowser peut être derrière ces manigances? Oui, mais... alors... Ah, mon Dieu. Comment on pourrait traduire ça? Sports Alive. Nom d'un sport. Tu me dis que Bowser a encore kidnappé la princesse? Oh, qu'importe. Ce serait à toi de comment dire, d'aller jusqu'au château et de sauver la princesse Toadstool. On s'est battu, hein, voilà. Il a perdu, la princesse, ok. Ah, je veux te récupérer, mais en fait, non. Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je tombe. Oh oh. Mon Dieu, je ne peux plus aller au château. Voilà. Ah, comment ça? On ne peut plus aller au château? Mais quel pouvoir diabolique est à l'œuvre ici? Mario, sa vie est entre tes mains. Je t'en prie, sauve notre chère princesse. Mario? Oui. J'ai failli oublier. Ça ne t'aidera pas, mais... pourquoi tu ne le prendrais pas? Une carte? Oh, voilà. Ah si, ça m'aidera. Mario? Oh là. Excuse-moi, mais je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour la princesse. Va vers la salle des coffres et prépare ton voyage. Le garde devrait t'aider. Attends deux secondes. Il n'y a même pas de trésor ici. Au moins, on va récupérer ceux de la salle du trésor. Mario! Le chancelier m'a prévenu. Je t'en prie. Alors, je sais pas comment il a fait pour le prévenir aussi vite par télépathie, mais bon. Peut-être avec les sports. Je vais te montrer ce qu'il y a dans le coin. Ah! Vas-y, fais-toi plaisir. J'y compte bien. C'est une pièce. Les petites en valent une et les grosses en valent 10. Celle-ci en vaut 10. Cool. Oh, c'est une fleur. Plus tu en récupères, plus tu auras des points fleurs en combat. Ah, d'accord. Donc les fleurs, c'est pas pour... D'accord. Il faut les trouver. Ok. C'est pas pareil encore que les flower tab et un champignon.
Ce champignon va restaurer tes points de vie et tes points de fleurs. Oh, c'est un champignon spécial donc. Malheureusement, la plupart des champignons que tu trouves vont seulement restaurer tes points de vie. Bon, fais attention. Il y aura un autre nom, j'imagine. Un boîte de bouton. Même pas. Pourquoi? Bah. Pourquoi je l'ai pas? Oh la Flower Jar qui augmente les points fleurs. Ah bah voilà, c'est ce que j'avais. Non, c'est ce que j'ai récupéré tout à l'heure. Allez. La carte. Voilà, le royaume champignon là-haut. Les autres mondes. Vous voyez une cascade, un petit village là-bas, là, une sorte de mine. On voit des... Là, on voit des... Comment dire, des rails. Une tour, un château, une petite île. Un bateau qui coule apparemment. Une drôle de... Une sorte de météorite hein, qui s'est écrasée. Un autre village. On reconnaît bien les... comment dire, les montagnes habituelles de Mario. Bah, d'autres montagnes d'ailleurs. Un volcan. Et puis Bowser. Vous en faites du chemin. Hein. Hop, et ben, on est bon. Hein. Reviens ici! Qu'est-ce qui se passe? Oh là! Ah, le fameux crocodile dont on parlait. Un petit bonhomme nuage. Reviens ici! Oh, le pauvre petit. Oh! Ah, il saute pas très haut. Hein. Alors, il ressemble un peu à un ennemi de Yoshi's Island, vous savez, le gros Bélix. Le boss, le premier mini-boss, je crois, si je dis pas de bêtises. Ou le boss peut-être du premier monde. Qui a une espèce voilà, de grand pantalon. Pantalon à la Obélix, comme ça. Oh non, ce reptile a volé la pièce de mon grand-père. Bou, 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 je pleure. Je ne peux pas pleurer. Les grands garçons ne pleurent pas, mais c'est pas juste. Qu'est-ce que je vais faire? Oh là là. Du coup, il pleut. Ah mais non, mais... Arrêtez, mon petit. S'il vous plaît. Oui? Hein? Oh, vous êtes en train de vous mouiller, n'est-ce pas? Ah... Désolé, ça va mieux. Ah, oh, y'a rien qu'un... Rien de mieux qu'un... Qu'une bonne larme. Qu'un bon... Qu'un bon pleur. Qu'un bon ouin-ouin. Mais pourquoi je pleurais? Ah, y'avait une raison. Oh là là, quelle mémoire. Ah, mon grand-père m'a demandé d'acheter des choses pour lui. Et puis quand je suis arrivé en ville, ce crocodile m'a arrêté. Oh oui, c'est vrai, il me l'a pris. Il a pris ma pièce. Je l'ai chassé, mais... Enfin, je l'ai coursé, mais bon. Il est beaucoup trop rapide. Marion. Mario. Voyons voir comment tu vas t'occuper de Bowser. Wow, il a aucune chance. Je vais montrer mon super saut. Wow, tu es le Mario? Ah, je connais tout de toi. Tu sautes plus haut qu'une... Enfin, vraiment, jump in you. Il y a plus de sauts en toi que dans une boîte de grenouilles. Je suis Mallow de Tadpole Pond. Donc, Pond, c'est la mare. Tadpole, comment dire? Paul, Tad... C'est pas Tétard, il n'y a pas un jeu de mots avec Tétard, un truc comme ça. Ah, bref, de la mare au Tétard. Je suis une grenouille. Mais tu peux le croire, je peux même pas sauter. C'est embarrassant, il ressemble pas vraiment à une grenouille. Oh là là, Mario. Est-ce que tu pourras m'aider à rattraper ce vilain bandit? Bien sûr. Yay! Hey, la jeune grenouille Mallow, qui n'a pas du tout l'air d'une grenouille, rejoint Mario dans sa quête. Et nous voici deux. Beaucoup plus puissants à deux. Bah très bien. Bienvenue, Mallow. Sauvegarder. Parce qu'il y a beaucoup de blabla, quand même. Et on sait jamais. Tromper de bouton. Voilà. Sauvegarde. Ce petit dé qui apparaît au bout de save, c'est trop mignon. Alors, la boutique. Je sens que ce petit... Mallow. Hey, Mallow. Qu'est-ce qui... Enfin... Qu'est-ce qui t'a retenu? Je commençais à m'inquiéter.
Attends avant d'attendre ça, tu vois. Et puis, après, ensuite, on m'a dit... attends, je sais déjà. Papy, c'est déjà. Le vieux Frocfusus m'a dit, il a l'air de tout savoir. Attends 2 secondes. Attends! La vraie... la vérité, c'est que la pièce a été volée. Quoi? Attends, si c'est pas le cas, je pense que... Enfin, si c'est le cas, on peut pas faire d'échange. C'est dommage, hein. Oh, mais pas besoin de s'inquiéter. Mario va nous aider. Ah! Bien, bon, si Mario est dans ton équipe, enfin, si Mario est avec toi, tu auras ta pièce de retour dans un quart de seconde. Attends, pas si vite. Prends ça avec toi. T'en auras probablement besoin. Pick me up, c'est quoi pick me up? Alors, un pick me up, c'est pour ressusciter les alliés au sol. Très bien. Alors, tu sais, j'ai horreur de l'admettre, mais j'adore ce boulot. Qu'est-ce que tu cherches? Alors, je voudrais acheter, du coup, un pantalon pour Malo. Ça coûte que 7. Ok. Alors, Able Juice, ça soigne, du coup, les problèmes de statut. On va en prendre un, voilà. Un pick-me-up, ça coûte que 5. On va en prendre. Un champignon, on va en reprendre un aussi. Voilà, comme ça on va dépenser tous nos sous. On va équiper Malo. Un petit pantalon. Voilà, vous voyez, ça augmente bien la défense. Hein. Parfait. Qu'est-ce que t'as, Todd? Hé, je l'ai vu! Il est là quelque part. Il m'est passé devant il y a une seconde. Vous l'avez vu? Est-ce qu'il avait l'air de ressembler à ça? Hein? Mais oui, totalement! Oh, c'est lui qui a pris ma pièce! Pourquoi vous n'avez pas arrêté? Parce que j'ai oublié mon bazooka chez moi. Oh, zut! Oh, c'est bon, laisse-moi tranquille. Hein. Reviens ici! Oh, c'est pas vrai! Ha ha! Vous m'arriverez jamais à m'attraper! Un escargot pourrait courir plus vite que vous, bande de nuls! A plus tard! Oula, ah oui, très rapide quand même. Oh, c'est lui! Dépêche-toi, Mario, faut l'attraper! Ok. Wait a sec. Allez, on est prêt, on y va. Il nous reste 10 petites minutes. J'ai même pas encore pu tester mon marteau. Et bah ça va être l'occasion. Sur la route des bandits. Oh bah. Eh oh, eh oh. Il est là. Il y a probablement tous ses vols là-dedans. L'attrapons-le, dans son sac là. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Rentre chez ta mère avant de te faire mal, bébé. Alors, maintenant qu'on est deux, ça va être plus sympa. Alors, je m'occupe des spiky avec mon marteau. J'ai Malo qui est peut-être moins puissant sur les Goombas. Quoique non, ça va. Hein. Donc Malo, Marshmallow, évidemment, le jeu de mots pour son côté dufteux. On dirait un gros bonbon. Oula! Quelle horrible grenouille. Frogog. Ah, loupé. Ah! Faut s'en débarrasser. Faut être plus puissant que les autres. Ah, j'ai encore loupé le... Ouf. Ah! HP max. Alors par contre... Évidemment, c'est pour celui qui récupère l'objet. Hein. Donc là, c'est uniquement pour Malo, hein, les points de vie au max. Voilà. 3 points d'expérience, 8 pièces.
Je regarde s'il n'y a pas des objets cachés. On va peut-être se débarrasser des petits avant. Ça va aller vite, en un tour il n'y en a plus normalement. Ok. Mince, non, j'aurais dû faire l'inverse. Bon, elle est pas si forte que ça, cette grosse grenouille. Qui ressemble à rien hein, dans l'univers de Mario. Jamais rien vu de tel. Yay! Ah! Mario atteint le niveau 3 avec un 3 très bizarre. Alors, toujours l'attaque hein, qui marche bien. Ah, Mario a appris Orbe de Feu. Spécialisé en attaque. Alors, voyons voir. Alors, il faut appuyer sur Y de façon répétée. D'accord. Malo, il a pouvoir éclair. Alors, juste à la fin de l'éclair, il faut appuyer sur Y. Ah, mais les points fleurs... Ah bah oui, mais... Attends, c'est... Point fleur, c'est commun ou pas? Je sais plus. C'est peut-être commun en fait. Allez! Bon, cette fois, si je me trompe pas, voilà. Et voilà, c'était suffisant. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui. Ah, il peut faire mal quand même. Bon, on va bientôt monter de niveau, je pense. Dans 7 points, est-ce qu'il peut survivre du coup à quelques attaques? Oui, je pense. Allez. Soyons optimistes. Ah, tu devrais pas sauter pour sauver ta vie, mon petit. Donc je pense que c'est adieu. Non, j'ai du mal traduire là. C'est bizarre ça. Alors. J'aimerais récupérer. Alors. Donc on dirait des loups avec des lunettes d'aveugle quand même. Je sais pas pour vous si ça vous fait le même effet. À mon avis c'est des ennemis assez puissants, mais ils sont aveugles. Ah effectivement c'est pour ça qu'ils me chassent pas en fait. Ok. Bon, je vais pas les affronter. Oh, qu'est-ce que t'es ennuyant, et t'insistes. Mais je suis à 100 000 devant toi. 100 km, on va traduire plutôt. Bon, alors c'est pas du tout la même valeur, mais bon. Alors, le spiky. Comme ça, Malo fait le Goomba, qui est plus faible. Et la grosse différence de dégâts. Et bah voilà. 3 points d'expérience. Ok, alors faut quand même que Malo là il monte. J'espère que ça le soigne d'ailleurs en montant de niveau. Attaque augmentée. Alors faut pas que la grenouille me fasse une grosse attaque sur Malo. Ah bah voilà. Restauration des points de vie, c'est parfait.
J'ai envie de faire monter de niveau Malo. Alors, on attaque l'autre parce que le premier est déjà affaibli. Et du coup, l'attaque de Malo suffira pour l'éliminer. Donc je pense que Malo est plutôt versé dans la magie. On va le vérifier. Malo arrive au niveau 3. Yay! On voit qu'effectivement, il a un peu moins d'attaque. Ah, plus de HP, plus de points de vie. Ça va être pour soigner, je pense. Je vais donner un peu de spécial. Je vérifierai quand même les statistiques des personnages à haut niveau pour voir si je rattribue bien les bonnes capacités. Oh. Là, faut y aller. Oh. J'ai envie de l'affronter quand même pour voir. Canine, donc canine, donc un jeu de mots qui veut dire chien, bien évidemment. Ils sont pas spécialement puissants. C'est le même jeu de mots dans Doctor Who. Jeu de prononciation, un K9. Hurlement. Qu'est-ce que ça me fait? Altération d'état, ça, je pense. Ça m'endort. Non, ça me... pas trop ce que ça m'a fait. Est-ce que j'ai gardé mon altération d'état ou pas? Apparemment pas. Allez, vite, 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 vite. On voit déjà la différence de Malo qui a un peu plus d'attaque. Ah bah parfait. On restaure les points de vie. Donc Malo fait plus 16, il fait 19 maintenant. Ah, c'est pas vrai, on n'y est pas encore. Ah! Abandonne! Cette boîte est tentante, mais c'est pas le moment. Oh! Invincibilité! Est-ce que j'ai un bonus si je... Oh, allez, c'est long. Ah. Ok, donc ça a augmenté d'un point mes points fleurs. Oula, j'ai plein de champignons. C'est une impasse. Ils vont pas abandonner. J'ai envie de me cacher. Oh là là, il s'est caché. Voyons voir si on peut le trouver derrière. Enfin, on peut arriver derrière lui discrètement et l'attraper. Le problème, c'est qu'il y a plein de coupas. Et là, ça commence à m'embêter. Ah non, mais c'est un truc qui... Ok. Et ben voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous pouvez même pas attraper une citrouille. Hein? Et voilà, on l'a eu là. Hein? Tes yeux sont plus rapides que tes pieds. À ce temps-là, il te prendra 100 ans pour m'attraper. Qu'est-ce que c'est ça? Il faut le... Non, il faut le faire plusieurs fois peut-être.
Oh, il m'énerve. Hein. Allez, vite, ça fait une heure. Arrêtez maintenant. C'est fini, monsieur. Quoi encore, toi? Ça commence à m'énerver. Ça va te prendre encore. Hé hé, assez. Vous m'avez encerclé. Je vais te rendre ta pièce. Wow. Est-ce que vous me croyez vraiment? J'étais en train de mentir. Combat. On va tester le Fire Orb. Alors. Allez, je martèle. 60, ouais, c'est pas énorme. Hein. Ouch! Donc, puis. Comment on fait pour apparaître les infos? Je vais pas tenter du coup. Oula! Dosing a tailfire. Ça veut dire quoi? Une sacrée défense. Et Malo lui fait pas grand chose, ouais bah. Ouch. S'il me le refait, je meurs. Hein. On va faire un petit coup d'éclair. Ah, j'arrive pas à me défendre en plus. C'est une sorte d'attaque spéciale, donc... Oh. Allez, un petit champignon pour Mario. Qui remercie Malo. Oh, un petit bonus. Pas très efficace d'être faire des flammes. Ah, ça je préfère. C'est dangereux pour Malo là. Allez, vous voyez là, c'est le symbole du pic. On a vu le trèfle pour Malo. Bon, j'ai plein de champignons, autant en bouffer, hein. Ah, champignon bizarre. Oh non. Trois tours du coup là. Ah, oh. Si en plus je me plante. Je vais garder mes points fleurs quand même. Donc on voit bien qu'ils partagent les points fleurs, hein, les personnages. Super. Et ça guérit qu'un seul. Bon. Soigne-toi bien. Oh, il est trop mignon ce nuage. Bon, au moins, ça restaure tout. Ah, mais... Je loupe mes bons timings en plus. Ah, y'a pas que moi qui loupe. Whew!
Et bah dis donc, heureusement que j'avais 5000 champignons. Si c'est Malo qui le tue avec son point de dégâts là. Est-ce que je devrais pas reprendre une fleur pour non, pas tout de suite déjà. Oh là 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 là, quel suspense! Oh! Allez, rends-moi ma pièce! Ou alors, je vais encore te frapper. Ouch! Ah bah là voilà la pièce! Je le revaudrai, mon enfant. Allez, vas-y, vas-y, vas-y! Vas-y, reprends ta vieille pièce là. Adios amigos. Et bah voilà. Super. On a récupéré la pièce. Et ben voilà. 8 points d'expérience, 10 pièces. Et point fleur. Mario atteint le niveau 4. La puissance de Mario. Alors je crois que ça diminue par contre les bonus. Ouais voilà. Ah non, bon, allez. Ouais, on a réussi. On a récupéré la pièce de grand-père. Je peux finir mon achat maintenant. Hé, hey, regarde. Le crocodile a oublié son attaché case. Ah bah c'est le truc Je retourne au magasin, au royaume champignon, tu viens? Oh bah parfait. On a récupéré l'attaché case du coup du voilà. Du Toad. Eh ben, merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode de Super Mario RPG. On se retrouve très très vite pour la suite. D'ici là, si ça vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. À commenter également si ça vous a plu. N'hésitez pas à suggérer par exemple des jeux de Super NES que vous voudriez voir. Je verrai. J'ai encore une très longue liste. Et puis, ce sont les lecteurs de Frandroid aussi qui choisissent en même temps. Donc, n'hésitez pas à aller voir les sondages que je poste sur Twitter, sur Frandroid, les articles, tout ça. Vous pouvez aussi consulter la liste des let's play en cliquant sur la description de cette vidéo, vous aurez une petite sélection, ou la totalité sur tout simplement la homepage de ma chaîne, classée par genre, donc la gestion, plateforme, RPG, aventure, action, simulation de vie, simulation de drague, il y a vraiment de tout, il y a plus de 40 jeux, donc n'hésitez pas, voilà, ça va vous faire plaisir et ça me fera plaisir à moi aussi de partager tous ces jeux avec vous. A très bientôt pour la suite de Super Mario RPG, salut !